Actuellement, nous, nous assistons à une période de vaches maigres pour l'écosystème des crypto-monnaies, dont le Shiba a perdu sa position. Le Shiba est descendu à la 19e position selon la plateforme de cotation CoinMarketCap. Donc, le Shiba A occupe le rang de 19e en ce qui concerne la capitalisation boursière. Elle est 19e. Voilà, ça, elle a perdu à peu près 6 places, parce qu'il y a de cela quelques semaines, elle tournait autour de. Elle était à la 12e position, entre la 12e et la 14e position. Donc aujourd'hui, le Shiba a vraiment perdu. Mais sinon, ça reste un projet très viable, ça reste un projet vraiment solide. Voilà, il y a des moments comme ça, le marché ne peut pas être vert à tout moment. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais je tiens à rappeler ici que la formation est très très nécessaire, parce que l'écosystème des crypto-monnaies est soumise. Cet écosystème est soumis vraiment à une volatilité extrême. Voilà, d'où le risque de perdre l'argent est trop élevé. Ceci étant, vous devez vous former pour être prêt, pour être apte à pouvoir vous déployer vous-même et être rentable sur les différents marchés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la main, vous êtes comme ça connecté sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera tout le peuple de vous, qui vous partagera tous les projets émergents, les projets qui vous apporteront toujours la valeur. Sachez ici que nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de métaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons d'investissement immobilier, car de nos jours, tu peux investir dans l'immobilier juste à partir de 10 dollars. Voilà. Nous partageons aussi des informations sur l'immigration, voilà, l'immigration canadienne, l'immigration de la Finlande. Voilà, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à interagir avec nous en commentaire. Donc, je ne veux pas être très très long dans cette vidéo. C'était juste pour passer cette information. Voilà, Shiba Inu, combien vaudrait 10 000 dollars achetés au bouton? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.